février ne fait vrotte, mars vient qui le garotte. Alors Stéphane, il va falloir une explication de texte. Là, il y a des mots qui riment, mais on les comprend pas. Mais moi j'adore, ça sonne bien. Frévote, j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé le sens de ce mot. Ouais. Donc a priori, c'est toi, t'as le février qui frémit, ouais, ou qui frémit pas. Et donc, il lui coupe le cou, le mars qui le garotte. Tu vois, un truc dans le genre, enfin... Vaut mieux qu'il fasse beau en mars qu'en février, de toute façon. En tout cas, si vous avez compris ce proverbe, écrivez-nous. Nous, on a envie d'être éclairés là-dessus. S'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le printemps avant l'heure. On a envie de tout changer, Stéphane. On va créer une nouvelle barrière, on va rempoter et on va rencontrer de belles personnes qui ont des idées nouvelles. Et ça, ça nous intéresse. Sommaire. De nouvelles idées pour un nouveau regard. Artiste contemporaine, Diane Scherrer explore au travers de ses œuvres la dynamique entre l'homme et son environnement naturel. Les racines sont au cœur de ses créations. La prise de conscience de l'urgence à économiser nos ressources est de plus en plus importante, initiant de nouveaux comportements salutaires dont nous ferons l'inventaire. Implanté au pied d'un rocher salvateur, depuis plus de 30 ans, le jardin exotique de Roscoff acclimate, pour nous ravir, des plantes plus surprenantes les unes que les autres. Mais sans attendre, retrouvons Stéphane. Il est à Cholet. Il quitte le quartier de la gare pour s'en aller par les faubourgs, passe devant d'anciennes manufactures, de jolies maisons et bien vite se retrouve sans coup faire rire devant la porte de Frédéric et Eric. Bonjour Eric. Bonjour Stéphane. Ça va bien ? Très bien, merci. Le jardin, il est... Par là-bas. Ok, on y va. Voilà le jardin. Ah, non, ouais. Bonjour Frédéric. Bonjour Stéphane. Tu vas bien? Merci, toi aussi. Bah oui, ça va. Alors, racontez-moi. On a un petit jardin de 80 mètres carrés sur lequel donne en fait deux baies vitrées. Une qui donne sur le séjour et une qui donne sur la cuisine. Donc ça permet effectivement d'avoir un fond de décor qui est ce jardin. C'est vraiment très agréable. Ouais, c'est généreusement ouvert. C'est généreusement ouvert. Tout et à fait. Qu'est-ce que vous lui reprochez à cet endroit? Aujourd'hui, ce qu'on lui reproche, c'est qu'il est quand même assez sombre. Alors, comme tu le vois, il est ceinturé par deux murs en pierre sur lesquels viennent s'accrocher du lierre. Et c'est un feuillage qui est assez sombre. Donc, on aimerait bien un peu de couleur. Tout à fait. Coup. Je comprends. Ici, on a un beau camélia. Ouais. Qui est intéressant parce qu'à l'été, en fait, il fleurit beaucoup. Il a l'intérêt aussi, c'est qu'il nous cache du vis-à-vis par rapport aux constructions voisines. Mm-hmm. Par contre, c'est un feuillage qui est également sombre, comme le lierre. Ça crée de l'ombre, puisque c'est dans un angle. Et donc, c'est pas très agréable, surtout qu'au pied du camélia, ben, finalement, il n'y a pas grand-chose. D'accord, ça c'est bien, ça peut s'arranger. Là, on a un hibiscus altea, qui est une espèce de sculpture assez étrange, que je trouve plutôt ravissante. Peut-être un peu de ménage à faire dedans. Mmh. Et puis après, donc, le lierre, qui, lorsqu'il est jeune, est quand même assez clair. Oui, c'est vrai. Oui. Et quand il est plus âgé, il devient très très sombre. Alors, c'est quoi cet objet? On ne sait pas. C'était là quand on est arrivé. C'est pas le plus joli du jardin. C'est particulier. Enfin, ça a valeur d'exister et dans lequel sont plantés des hydrangeas qui vont bien. Hein. Mmh. Oui, ils donnent bien. Ils sont jolis parce qu'ils fleurissent en rouge assez profond, intense. Donc, ça fait une touche de lumière et de couleur. Ça, c'est apprécié. C'est un peu sombre en même mais, temps, ce rouge-là. Voilà. Mais... C'est un peu dommage. Bon, ensuite le figuier, sublime figue. Ah oui. Oui. Les figues sont très très bonnes. En plus, ils nous créent de l'ombre l'été. On a deux chiliennes, donc on profite bien effectivement de l'ombre quand il fait chaud. D'accord. Et puis cette plate-bande avec une très belle forme grise. Oui. Alors ça va, c'est plus lumineux. Oui, mm-hmm. Voilà. Une plate-bande dont vous profitez depuis la cuisine. Oui. Tout à fait. Et qui mériterait d'être un peu... Oui. Tu vois, hein? Oui. Réactualisée. Oui, un peu gonflée. Voilà, c'est oui. Ça. Moi, je pense qu'il faut harmoniser tout ça. Il faut un peu noyer le poisson, là, le gros poisson en granit. Et dans quel esprit? Alors, on aimerait bien effectivement retrouver quelque chose quand même qui nous donne de la couleur. Mm-hmm. De la chaleur et puis de la lumière, puisqu'on a dit que c'était sombre, donc forcément. Et le tout avec une touche de modernité, puisqu'on a quand même un aménagement intérieur qui est assez contemporain, donc on aimerait retrouver cet esprit-là dans le jardin. Eh ben, dis donc. Il s'agit donc d'avoir un peu d'esprit. Eh ben, dis donc, vite, un dessin. On va commencer par faire un petit peu de taille. Cela fait, la plate-bande qui commence juste là, à la fin de la terrasse, je pense qu'on va la faire démarrer du même endroit. Prendre un peu, gonfler un peu, comme ça, et revenir jusqu'au milieu du monument. Okay. Enfin, du monument, enfin, de l'assemblage de pierres. Oui. Et puis ensuite, on va repartir à la base de celui-là pour tourner gentiment derrière le figuier,
et arriver à cette bordure-là. D'accord. D'accord. Dans ce coin-là, j'ai envie d'un grand Landina domestica. C'est un arbuste qui se plaît à l'ombre, c'est un arbuste qui a un feuillage qui peut prendre des teintes orangées lorsqu'elles sont jeunes. Très bien. Et puis, il fleurit, il a des fruits rouges. Voilà. C'est un peu moins ennuyeux qu'un arbuste qui nous ferait un truc par an seulement. Et on va dérouler tout le long comme ça des arbustes, essentiellement avec des feuillages panachés. Et puis, il y a cette hydrangea, là, un feuillage sombre avec des fleurs sombres. Il faut amener d'autres hydrangeas, des paniculata qui fleurissent à la saison et dont les fleurs sont blanches. Mmh. Bah oui, c'est plus... lumineux. C'est plus lumineux. Voilà, ensuite, on va prendre des bambous et on va construire une structure juste devant. Voilà, j'ai vu qu'il y avait une représentation de Mondrian à l'intérieur de la maison et je me suis dit que ça pouvait peut-être me servir pour installer quelque chose comme ça avec des bambous qui seront peints en blanc dans lesquels on va pouvoir installer juste une petite boîte rouge pour y poser quelque chose, un objet ou une petite plante ou je ne sais pas. Quelque chose d'artistique. Quelque chose, voilà. Et j'aime bien le rouge, ça tombe bien. C'est bien. Et puis, puisque tu me parles de rouge, moi, j'ai envie de poser des pots, un ici, un là, par exemple. Dans le grand pot, on va installer un érable du Japon avec un feuillage panaché. Magnifique. Très joli, ça. Clair. Et puis dans l'autre, un buisson avec un feuillage clair. Et au pied de tout ça, à l'intérieur de la plate-bande, on va planter des couvre-sols, des plantes avec des feuillages lumineux, de façon à ce que même du sol, il y ait de la couleur et des choses joyeuses qui remontent. Et tout ça ponctué de plantes à fleurs. Ça vous va ? Très bien. Je pense que ça va être très bien. Très bien. Il y aura de la taille sans détail. De l'élagage avec parcimonie, des coups de masse pour faire place nette et redéfinir un contour, des plantes lumineuses, un bel assemblage, une touche de rouge et le mot de la fin. Ça vous plaît alors? Ouais, oui, super. Beaucoup. Bon, bah, je suis content. Merci. On ne reconnaît pas du tout le jardin. Merci beaucoup Stéphane, merci. Stéphane, nous partons rencontrer Emmanuelle, qui est cofondatrice d'une entreprise qui livre des bouquets de fleurs fraîches et de fleurs séchées, comme ce petit bouquet. Ravissant, n'est-ce pas? Ravissant, mais tu vas tout de même pas nous apprendre à faire un bouquet de fleurs séchées. Ah non, pas à toi, Stéphane. Non, nous allons apprendre à faire des paysages sous cloche avec ces fleurs séchées. On en parle beaucoup, alors on a eu envie d'en faire. Regardez. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Alors, on va faire avec toi un petit paysage de fleurs séchées sous cloche. C'est ça, c'est très beau. Alors, un mot avant de parler des étapes. Est-ce que tu peux nous parler des fleurs que l'on va utiliser? Oui, aujourd'hui, on va faire donc un modèle particulier dans les tons jaune, rose pâle. Tout ce que j'aime. Et donc, les fleurs qu'on va utiliser, on a du lagurus, on a de la nigelle, du broom bloom. Ouais. Un lagurus d'une autre couleur, de l'immortel, du ruscus, blé barbu, ouais. Aquilée. Explique-nous comment tu as eu l'idée de ce globe, parce que moi j'adore. En fait, c'est parti d'une réflexion, c'était au moment de la Saint-Valentin l'année dernière, on devait faire un décor dans lequel on voulait intégrer une cloche géante de fleurs. En fait, on repensait à quand on était petit dans La Belle et la Bête. Ah, il y oui. avait cette fameuse, ce fameux globe avec la rose à l'intérieur. On est reparti de là, on s'est dit ok, on pourrait comment faire, faire tenir une rose en suspension. Exactement, et on a voulu rajouter plus de fleurs que simplement la rose dans ce globe. Et ensuite, on s'est dit oui, mais pourquoi pas le faire finalement en fleurs séchées pour qu'il y ait ce côté éternel qu'on retrouve et qu'il n'y ait pas l'éphémère de la fleur fraîche et que l'objet puisse vraiment se garder longtemps. Et donc, on a décidé d'en faire un objet de décoration qu'on pourrait avoir dans son salon. Et on va l'avoir dans son salon. Alors, il nous faut un globe, forcément. Exactement. Je vois devant toi, tu as de la mousse. Oui, de la mousse spéciale pour les fleurs séchées. D'accord. Et on commence à piquer directement dans la mousse. C'est ça la première étape? Tout à fait. Donc, on va mettre des immortelles, de l'aquilée et phalaris. Ok. Là, maintenant qu'on a recouvert tout le contour de la mousse, on va recouvrir la surface supérieure. Et ensuite, on va venir déposer la petite figurine par-dessus et on va composer tout autour.
On va être prisonnière du globe. Oui, voilà. Et donc, on commence la surface et après, on fait des hauteurs différentes. Exactement. En fait, on va recouvrir la surface, comme ça, après, on met le petit animal. Et ensuite, on va faire des petites hauteurs. On va créer un petit univers, comme si, en fait, il se retrouvait dans une petite forêt imaginaire. Toute colorée. Avec des arbres avec microscopiques. Des arbres. Exactement, on se sert de l'aquilée pour faire un petit arbre et ensuite les autres variétés qui vont venir l'entourer. Ok, allez on continue, j'adore. And the world's all right with me. Just one look at you. And I know it's gonna be. Voilà. Est-ce que je peux le garder toute ma vie? Oui, bien sûr. En fait, les fleurs séchées sous verre vont être protégées en fait, de la poussière. Donc, tu vas pouvoir les garder longtemps. Ce qu'il faut juste éviter, c'est la lumière directe. Parce que les couleurs vont avoir tendance à s'altérer avec la lumière. Donc, il faut juste les protéger de ça. Mais c'est, en théorie, c'est pour la vie. Il sera sur ma cheminée. Merci, Emmanuel. Avec grand plaisir, merci. Alors, Stéphane, es-tu prêt à voir l'œuvre? Oui. De près? Tiens. Oh. C'est chou. Oh, c'est chou. C'est chou. C'est poétique. Alors, ça fait 3 mois que le cerf est toujours à l'intérieur de la cloche. Il ne s'est pas évadé. Et les fleurs n'ont pas bougé, forcément. Elles sont séchées. Mais regarde, c'est très joli. Non, tu non, le gardes à vie. C'est un charme fou. Ah, c'est génial. C'est hyper sympa à faire, en plus. Ça relaxe. Bon, à présent, nous allons sauter les bosquets du jardin de Stéphane, sauter les frontières et nous partons à Amsterdam rencontrer Diane Scherer. Son art, dompter les racines, en faire du tissu et les photographier. Officiellement, je suis une artiste, mais je suis aussi une éleveuse de racines de plantes. J'ai mis en place tout un système souterrain pour créer un textile artistique que je photographie et avec lequel je fais également des sculptures. Pour aboutir à ce résultat, j'ai dû, au début de mon travail, me rendre à l'université de Radboud aux Pays-Bas, qui est spécialisée dans les racines de plantes. Et quand je m'y suis rendue, je leur ai demandé s'ils pouvaient m'aider à mettre en place mon système de culture de racines. Ils étaient ravis de mon intérêt, mais ils m'ont dit que c'était impossible. Donc, ils m'ont quand même donné un espace de travail et m'ont transmis leur savoir. Et après 1 an de recherche, j'ai développé mon concept et finalement, ça a fini par marcher. Pour obtenir cette forme, je dessine d'abord un modèle sur mon ordinateur. Ces modèles sont basés sur les formes géométriques que l'on trouve dans la nature, comme par exemple l'hexagone des ruches, qui sont des structures très puissantes, et je m'en inspire pour créer mes propres modèles. Ensuite, je crée des matrices que je dispose sous la terre, puis je sème des graines pour que les racines se développent autour de la matrice. Toute la préparation, du design du modèle à la matrice, prend environ 1 mois. Et le processus de développement des racines prend 4 semaines. Ça pousse très vite. Habituellement, les racines n'aiment pas être proches, mais celles de l'herbe s'en moquent. Elles aiment être serrées les unes aux autres, donc c'est parfait pour pousser dans mes matrices. Si je faisais cela avec des marguerites, par exemple, ou d'autres fleurs, elles se battraient sous terre. En fait, c'est une collaboration avec la nature. Évidemment, j'essaye d'orienter ses pousses, mais les racines ne font jamais exactement ce que j'attends d'elles. Il y a toujours une part de surprise que j'apprécie beaucoup et qui rend ce travail encore plus intéressant. C'est très résistant. On peut le comparer aux fleurs séchées.
Si on le met devant une fenêtre, ça peut s'apparenter à du papier. Les seules choses que je préconise aux personnes qui veulent se le procurer, c'est de ne pas le mettre au soleil ni dans l'eau. Mais personne ne ferait ça avec une œuvre d'art. Il suffit juste de le garder sous verre et ça peut rester intact pour toujours. C'est une matière organique. Il m'est arrivé d'en faire des robes, mais ça reste une création artistique. On ne peut pas les porter. Mais je pense que ça pourrait être possible dans le futur, que l'industrie de la mode utilise mon travail. J'ai déjà eu quelques sollicitations à ce sujet. Ça pourrait être un nouveau textile organique durable, mais ça nécessiterait encore un peu de développement pour y arriver. Cette fascination pour mon travail ne me quittera jamais. Il y a tellement de plantes et de racines, tellement de possibilités à explorer encore. C'est une histoire sans fin pour moi. Certaines personnes aiment lire dans le marc de café, Stéphane préfère lire dans les racines des rhododendrons. Bah oui, hein, les racines, oh là là. Écoute, non, ce que moi j'aime, c'est que les rhododendrons ont une propension à occuper l'espace et à se multiplier tout seul. Celui-ci s'appelle Polar Bear. Polar Bear. Oui, et parce qu'il fleurit tout blanc et qu'il fleurit en juillet. Voilà. Et là, regarde, quand tu te penches là-dedans, ouais, tu t'aperçois en grattant ici que la branche, celle-ci, elle était un peu lourde, donc elle s'est un peu enfoncée dans la terre tout doucement. Ouais. Et ce qui fait que la partie enterrée, avec le temps, eh bien, elle a développé une sorte de chevelu. Tu vois, c'est des petites racines. Ouais. Ce qui fait que si j'allais chercher la partie de la branche qui est enterrée ici, et que je la coupais, paf, d'accord, j'ai un nouveau rhodo que je peux déplacer. Donc tu peux le déplacer, tu peux le planter ailleurs. Voilà, et moi j'aimerais bien faire ça. C'est-à-dire qu'il y a une technique qui s'appelle le marcottage, qui permet de faire exactement comme fait la nature, en l'aidant à ce que ça se passe encore plus vite. C'est très simple à faire. Ici, nous avons la pousse 2018. D'accord. Voilà. Là, c'est la pousse 2017. Et puis là, c'est la pousse 2016. Et plus on remonte le temps, et plus c'est gris, et plus l'écorce est dure. Et donc, moins vigoureuse. Donc ça, c'est trop jeune. Donc tu remontes à 3 ans à peu près ? Non, 3 ans, c'est presque trop vieux déjà. 2 ans, ce sera très bien. C'est dans la partie la plus brune. Il faut que je vérifie si je suis capable de la coucher au sol sans casser la branche. Mm-hmm. Ça marche. Et donc, je vais, dans le milieu de cette partie brune, je vais tailler une petite langue qui, elle, sera vraiment dans la terre. Donc j'ai couché pour voir où ce serait. Et c'est ici, d'à peu près 2 cm. Donc j'ai bien ouvert ça, comme ça. Ma petite languette est bien dégagée. L'écorce est suffisamment coupée pour pouvoir mettre à vif le cambium, cette partie vivante qui est sous l'écorce. Et c'est par là, je referme, c'est pas grave, c'est par là que les petites racines vont se développer. Donc je veux bien un petit coup de binette, là, si tu veux bien. Plusieurs mois, histoire d'ameublir le terrain. Comme ça ? Parfait, c'est bien meuble. Ensuite, je remets un petit peu la terre comme ça, et puis je la couche. Et je veux bien que tu me passes un gros caillou. Un gros caillou. Tiens. Merci. Donc lui, il vient là. Comme ça, ma branche, elle ne peut pas relever. Là, non. Et par contre, maintenant, je vais pouvoir remettre... La terre. La terre par-dessus, 1 cm ou 2. Il faut que ça émerge bien comme ça. Et d'ici un an, les racines se seront formées. Ouais. Et dans un an et demi, on pourra sevrer la bouture. C'est-à-dire qu'on va la rendre indépendante de l'arbre. Et en coupant ici, à ce moment-là, ou peut-être encore 6 mois plus tard, il y aura de plus en plus de racines, on pourra déterrer cette partie-là et l'offrir à des amis qui trouvent que, franchement, Polar Bear, en juillet, il est magnifique. Je mets une option. Bon, vous le savez, dans Silence ça pousse, nous aimons parler de la bonne utilisation des sols, mais aussi de la bonne consommation. Nous allons faire le point sur 3 initiatives anti-gaspi. Regardez.
Chaque matin, chez Adèle, comme chez tous les primeurs de France, c'est le même scénario. Il faut faire le tri, retirer des rayons tout ce qui n'est plus bon, mais aussi tout ce qui est encore bon, mais plus présentable. Comme cette poire, par exemple, qui a été un peu trop manipulée par ses clients. Ce côté-là, tout est abîmé, vous voyez. La tête de la poire, elle est molle. On peut la manger, on peut le couper, on peut la manger. Mais nous, on ne peut pas la vendre aux clients. Les ferrues, c'est fragile. Voilà. Chaque mois, Adèle retire plus de 100 kilos de fruits et légumes de ses rayons. Des produits qui partaient à la poubelle jusqu'à ce que ce jeune entrepreneur lance, il y a un peu plus d'un an, sa start-up baptisée Graps. Alors, chez les commerces de proximité, c'est 154 000 tonnes d'invendus en fruits et légumes qui sont générés chaque année. On parle d'une pomme un peu cognée, un poivron un peu fripé, toujours très bon. Et c'est là qu'est née l'idée de Graps. Donc, permettre à ces commerçants, plutôt que de jeter leur casse en fruits et légumes, constituer des petits paniers de 3 kg avec, qui sont ensuite vendus à bas prix sur notre plateforme web. Les utilisateurs viennent récupérer directement les paniers commandés en magasin, donc pas de maillon logistique. Bonjour. Un panier de 3 kg de fruits et légumes Graps, c'est aussi un vrai impact environnemental positif. Si on devait reproduire ces 3 kg, voilà, ça nécessiterait 4 kg de rejet de CO2, 2100 litres d'eau et 11 mètres carrés de surface agricole préservée. Donc c'est un impact environnemental qu'on fait valoir et c'est comme ça qu'on valorise justement la démarche. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Merci. Graps a d'abord été lancé à Paris, mais est en train de se développer dans plusieurs villes de France. Des initiatives de ce genre, il y en a de plus en plus sur l'ensemble du territoire. L'idée de Christopher, c'est justement de toutes les recenser et les regrouper sur 16octobre.fr, une plateforme nationale en cours d'élaboration. Aujourd'hui, on est en phase de recensement. À l'heure actuelle, je crois qu'au dernier comptage, je suis à 323 initiatives. L'idée, c'est que demain, peu importe où on est, on puisse trouver la solution qui nous intéresse à côté de chez nous, qu'on soit acteur, qu'on soit producteur de déchets alimentaires ou aussi les citoyens. Moi, ce que j'aimerais, c'est que grâce à 16 octobre, des citoyens trouvent une bonne initiative et la dupliquent sur le territoire. Le mouvement de la lutte contre le gaspillage alimentaire a commencé en 2012. Depuis 2012, il grossit, il prend de l'ampleur. Donc moi, je pense qu'il y a une filière qui est en train de naître. Réellement, il y a des réseaux qui se mettent en place. Ils ne sont encore pas complètement structurés. Il y a notamment des réseaux de lutte contre le gaspillage alimentaire locaux qui se développent. Le mouvement est naissant. À la fois, il y a déjà énormément de choses qui se font, mais en même temps, il y a encore beaucoup de choses à créer. Il y a une dynamique sur ce secteur-là parce que c'est plein de bon sens. C'est un secteur qui touche de plus en plus les Français. On s'y intéresse, on a envie de manger mieux, plus local, plus bio. Donc ça coûte cher. Donc un des leviers pour mener cette action de mieux manger, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Clairement, je baisse mon gaspillage et j'augmente en qualité. Voilà, c'est un peu une balance. Le gaspillage alimentaire, c'est un levier pour mieux manger. La lutte contre le gaspillage alimentaire peut être aussi l'occasion de manger des produits originaux. Donc là, ce qu'on ressort, c'est la drèche. C'est ce qui résulte de la production de bière. Donc là, on part d'un malt. Donc on a extrait les sucres. On transformera plus tard en alcool. Et suite à l'infusion qu'on a faite, on retire une céréale donc, qui est encore pleine de sucre. Donc, ça peut être utilisé pour diverses choses. Jusqu'à présent, la drèche était utilisée pour faire de la méthanisation, du compost ou de l'alimentation animale. Rien de très accessible pour ces brasseries urbaines de plus en plus nombreuses. En réponse, Marie et Nathalie ont eu l'idée d'un projet de biscuits salés. Ce sont les premières à avoir utilisé la drèche pour l'alimentation humaine. L'idée est née à l'occasion d'un stage dans une brasserie que j'ai fait il y a un peu plus de 2 ans. Donc j'ai appris à brasser ma bière par goût pour la bonne bière artisanale. Et à ce moment-là, j'ai découvert le résidu qui sortait du processus de brassage. Pour un brassin donné, par exemple 1000 litres de bière, il y avait 300 kg d'orge qui partait à la poubelle, d'orge maltée. Et je n'avais pas du tout en tête qu'il sortait comme ça des quantités de céréales et d'une céréale excellente qui sent bon, qui sent la tartine grillée, le caramel. Et donc j'ai goûté ce seau de résidus.
et j'ai découvert bah voilà, que ça avait très bon goût et qu'on pourrait sans doute en faire quelque chose. Ok, allez, c'est parti. Hop. La drèche, elle est riche en fibres, elle a encore de la protéine, elle a libéré son sucre pour le donner à la bière, donc elle a moins de sucre, mais voilà, il y a du magnésium, du phosphore, du zinc, il y a encore plein de belles choses que l'on peut consommer. On a quand même fait beaucoup de tests de recettes. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y avait quelques expérimentations qui avaient été faites pour transformer la drèche, mais rien de très concret. Et puis, on s'est dit que si on le faisait, il fallait que la proportion de drèche soit suffisamment conséquente pour que ça ait du sens. Donc on a testé, on a commencé à intégrer par petites doses, et puis on est monté. Et aujourd'hui, il y a plus de 40% de drèche dans la recette du biscuit. Alors, si je fais un calcul sur l'année qui vient de s'écouler, on a sauvé de la poubelle 6 tonnes de drèche, ce qui correspond à peu près à 8 tonnes de crackers. L'époque où on est aujourd'hui, il faut être malin, il faut être ingénieux. C'est magique pour nous de voir qu'on a réussi à créer de la valeur, créer des emplois aussi, enfin créer toute une activité professionnelle à partir de quelque chose qui normalement partait à la poubelle. Pour nous, ça a été une révélation. Voilà. Stéphane, quel est le projet ? Le projet, c'est de faire une clôture qui soit champêtre, un peu dans l'esprit de cette barrière. D'ailleurs, elles sont faites pour aller ensemble. Ouais. Et vous ne mettez pas une clôture pour empêcher les biches et les cerfs de passer, d'aller d'un endroit à un autre. Quelque chose de décoratif. Quelque chose de décoratif, quelque chose de symbolique qui va nous dire qu'ici, on est dans un espace et puis que de l'autre côté, on est dans un autre espace. C'est une manière de fragmenter le jardin et de l'agrandir en quelque sorte. En tout cas, c'est vrai que c'est vraiment ton style. C'est la barrière signature de Stéphane. Et puis, tu as vu les lichens se mettre dessus et tout, c'est ravissant. Ah, j'adore. Ce que je veux, c'est simplement avoir... J'ai un poteau, piquet ici et un autre piquet ici que j'ai enterré d'un tiers de la hauteur à peu près. Que tu as ensablé. Voilà, que j'ai ensablé et bien tassé de façon à ce que ça tienne. Ensuite, on va installer des traverses qui sont ici. Donc, j'ai fait des trous dans lesquels on va glisser les branches à l'avenir. Et là, je vais simplement faire d'autres trous qui sont percés, mais simplement d'un tiers, de manière à caler la branche. D'accord. Donc, tu vas m'aider à tenir ça et on va percer ça d'à peu près 2 cm. Allez. La difficulté à présent, ça va être de fixer ces choses-là. Ouais, comment tu veux t'y prendre ? Oh, écoute, j'ai réfléchi toute la nuit. Et a priori, je devrais pouvoir y arriver. Donc là, j'ai un gabarit qui fait 6 par 6. C'est la section de notre traverse. Je l'ai séparé en deux. Okay. À l'intérieur de ça, j'ai dessiné des diagonales pour avoir le milieu de chacun de ces rectangles. Et paf, et ça va me servir à marquer l'endroit où je vais faire des trous. Et ce gabarit va me servir partout. D'accord. Partout, de manière à ce que les trous soient, toujours a priori, identique. Toujours en face. Et on va voir si ça marche. Ah, je passe par-dessus la barrière. On passe au noisetier. Voilà, c'est pas mal, hein. Ah, t'es content, hein. Oui, je suis content. T'as pas eu besoin de douter, en fait. Faut te faire confiance, Stéphane. Ah, c'est gentil. Bon, ben, on y va, on met nos lisses. Trop bien. Toc. C'est beau, hein. Franchement, c'est trop beau. C'est beau, hein. J'adore. Merci. Bon, très bien, je reviendrai plus tard. À vous de vous y mettre. Et toi, Stéphane, donc tu vas continuer. Oh ben, je vais faire tout le tour du jardin, encore une fois, deux fois, trois fois. Non, c'est bien, c'est bien. On ne s'en lasse pas. Mais tu vois, si j'avais laissé dépasser mes chevilles ici, j'aurais pu en mettre une autre encore. Ouais. Je mets la même traverse, toc, toc, je reviens avec un poteau, mais là, poum, poum, poum. Là, tu es un peu gêné quand même. Non, mais l'idée, c'est, tu vois, si tu veux vraiment faire une clôture... Tu peux le faire. Il faut laisser juste dépasser un peu les chevilles. Très bien.
Très bien, c'est noté. Petite transformation dans ton jardin, grande transformation à présent dans la visite qui va suivre, puisque nous partons au jardin de Roscoff. À la base, c'était une décharge maraîchère et maintenant, c'est un jardin que Stéphane a visité. Dans la pointe Nord-Bretagne, la ville de Roscoff est devenue en quelques années le lieu d'une formidable histoire d'acclimatation. Autour d'un rocher bienveillant, derrière le port de plaisance, des plantes venues de très loin se sont établies pour composer un jardin unique, offrant des paysages qui invitent au voyage. Sandrine, comment le jardin exotique de Roscoff a-t-il été créé ? Alors, le jardin exotique de Roscoff a démarré en 86. Et donc, il a démarré ici, au rocher, hein, sans qui rien ne serait possible. Ce rocher qui fait 18 mètres de haut emmagasine la chaleur la journée et la restitue la nuit. Et c'est grâce à lui qu'on peut avoir un jardin ici. D'accord. Donc, il a été créé par deux personnes, M. Persson et M. Cardilès. Ici, c'était une décharge maraîchère. Donc, tout a été nettoyé et ils ont monté, donc M. Cardilès, entre autres, a monté 40 mètres cubes de terre à dos d'homme. Et donc, il y a d'abord le rocher et puis peu à peu, il y a d'autres parcelles qui viennent s'ajouter. Voilà. Donc, au départ, donc, c'était le rocher et les alentours, donc 6000 mètres carrés. Et après, il y a une autre parcelle de 3500 mètres carrés qui a relié tout le jardin qui actuellement fait 1,6 hectare. Il y a vraiment une volonté de faire venir des plantes de régions bien particulières du monde entier. Voilà, donc nous avons 50% de notre collection qui sont des plantes d'Afrique du Sud. Et on essaye de prendre donc des plantes qui viennent des latitudes qui sont identiques à la nôtre. Sauf que ce sont pour la plupart des plantes subtropicales. Subtropicales, mais il y a des régions comme la région du Cap où on peut prendre des plantes qui ont jusqu'à 1700 mètres d'altitude. Donc on essaie de prendre les plus rustiques de ces pays. Comment il est composé le jardin ? Alors, est-ce qu'on s'y perd ? On s'y perd. Alors le jardin a été fait de telle sorte que le visiteur ne découvre pas le jardin d'un seul coup. Donc ce sont des petites allées sinueuses et des plantes qui sont plantées sur des tertres. Les plantes ne sont pas disposées par pays, mais on leur choisit une place en fonction de l'endroit où elles seraient le mieux pour pousser. Donc ça fait une sorte de belle anarchie. On décide finalement pas grand-chose puisqu'on les laisse se ressemer. Ce qu'on veut, c'est un jardin qui soit luxuriant, où les plantes se ressèment et vivent leur vie. Messieurs Persson et Cardilès, les initiateurs du jardin, étaient des passionnés de voyages et de plantes. C'est ainsi que démarra la collection. Entourée par la mer sur trois côtés, protégée du vent par d'épaisses haies, les végétaux ont ainsi trouvé des conditions qui convenaient à leur bon développement, assez proches de leur lieu d'origine. Ce qui est saisissant, c'est de voir autant de succulentes, alors qu'on est dans une région où il pleut tout de même, même s'il peut faire doux. Et bien donc, on a des sols très drainants, en fait. Donc il y a un petit peu de terre de jardin qui est mélangée avec du gravier. Et ce qui perd les plantes grasses, c'est en fait l'humidité où elles vont pourrir. Bien sûr. Et puis celles qui ne vont pas supporter d'être en pleine terre, parce qu'on a vraiment envie d'en voir plus, et elles sont dans un tunnel. Voilà, donc on a une serre qui a à peu près 450 espèces, et ce sont les espèces les plus fragiles. En fait, le jardin s'est alloué un rôle pédagogique. Tout à fait. Hein. Donc nous, ce qu'on veut, c'est faire comprendre aux générations qui arrivent comment fonctionne la nature et comment la préserver. Donc aucun produit phyto n'est utilisé dans le jardin. Mais aussi, il peut être question de préservation. Tout à fait. Donc nous avons plusieurs espèces qui sont des plantes qui sont menacées dans leur milieu d'origine que nous avons dans le jardin. Et nous travaillons d'ailleurs en collaboration avec le Conservatoire botanique de Brest qui nous donne certaines plantes pour pouvoir les élever et soit prélever de la graine ou de la bouture pour pouvoir les réintroduire dans leur pays d'origine. Mais vous, pour obtenir toutes ces plantes, comment est-ce que vous avez fait ? Donc nous faisons venir des graines de l'étranger et nous les rapatrions ici. Donc vous téléphonez en Afrique du Sud, vous envoyez un et tout d'un coup il y a un petit colis qui part avec les graines que vous avez demandées précisément. Voilà, exactement, c'est comme ça que ça se passe. Sauf qu'après il faut les faire germer, ce qui n'est pas toujours une... Voilà, ce qui n'est pas toujours évident, donc on a nos petits secrets pour certaines plantes évidemment. Vous avez planté, c'est peut-être un fait de jeunesse, des plantes botaniques et puis peut-être parfois des plantes plus horticoles. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que vous corrigez. Voilà, alors là, on veut revenir vraiment vers le botanique. Donc maintenant, les plantes qu'on recherche, ce sont des plantes uniquement botaniques. On veut essayer d'éviter d'avoir des plantes horticoles dans le jardin.
des variétés, des choses qui ont été fabriquées voilà. par l'homme. Voilà, on veut vraiment des choses qui viennent de la nature uniquement et pas de l'homme. Le jardin exotique de Roscoff est devenu un lieu incontournable de l'acclimatation. Propriété de la ville, du département et de l'association qui le porte. Il fonctionne et s'enrichit grâce aux visiteurs qui achètent leurs tickets et des plantes. C'est aussi de cette façon que toute cette région est devenue terre d'exotisme. Après la petite palissade en noisetier, la plante de la semaine, c'est le noisetier. Décidément, ça nous poursuit. Exactement, Corylus avellana, c'est une plante de la famille des bétulacées, le bouleau auquel plein de gens sont allergiques. C'est une plante qui est originaire d'Europe, de Turquie. C'est un arbuste qui va mesurer 4 mètres de hauteur, 4 mètres d'envergure. Le feuillage est caduc, donc il a disparu. La floraison intervient de janvier à mars. Elle va aimer les sols, tout type de sols, même crayeux. Une exposition plein soleil, mi-ombre, et une rusticité qui va jusqu'à moins 20 degrés que demande le peuple. Moi, j'aime cette plante parce que, vois-tu, c'est une plante de bocage, c'est la reine du bocage. On va faire des plaissages avec ça. On va pouvoir aussi couper le bois pour faire du bois de chauffage parce que ça pousse très vite. Donc, ça se renouvelle très vite et en plus, ça chauffe bien. Ah. Voilà. Puis interviennent ces chatons comme ça au mois de janvier. Qu'on adore parce qu'on aime bien les mettre en bouquet. Ben, c'est beau, oui, c'est ravissant. C'est comme une espèce d'enchantement. Pouf, tout d'un coup, c'est après Noël. Après les boules de Noël, on a les chatons du mois de janvier. Et justement, cette floraison est très intéressante parce que sexuellement, c'est passionnant. Il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles. Je comprends pourquoi ça l'intéresse. Les chatons sont les organes mâles. Il va y avoir une quantité de pollen qui vont se répandre partout. Et puis, il y a la fleur femelle. Alors, comment les distinguer? Ah ben là, tu chausses tes lunettes parce que tu vois, elle est là. C'est juste cette espèce de bourgeon dont on dit que c'est un bourgeon mixte parce qu'il y a à la fois la fleur à l'intérieur et une feuille future. Là, par exemple, attends, vérifie, il est tout petit. Hein. Alors voilà, là, je suis dur avec toi. Rouge. Je vois du rouge sur celui-là. Ça commence à sortir et c'est juste les stigmates, la fleur est dedans. C'est les stigmates rouges qui sont ici, sur lesquels le pollen va se coller. Ouais. Et c'est ce qui va faire que les noisettes vont être fécondées et se développer. Généralement, sur un arbre, les fleurs mâles interviennent à une autre période que les fleurs femelles, de façon à ce que la plante ne se fertilise pas elle-même et enrichir comme ça la diversité génétique des plantes. Ah, l'homme et la femme se croisent. Je bonjour. Enfin, on adore les noisetiers. D'accord, merci pour ce cours d'éducation sexuelle à base de noisetiers, Stéphane. Et à présent, c'est l'heure de ding-dong. Il est où le jardin? Et oui, Stéphane, débarque chez vous pour réaménager votre jardin. Aujourd'hui, les petits chanceux s'appellent Eric et Frédéric. Ils ont un jardin trop sombre et ils veulent de la chaleur et des couleurs. Stéphane est à Cholet. Il a retrouvé Frédéric et Eric. Toutes les pièces de leur maison sont ouvertes sur un petit jardin qu'ils trouvent trop sombre et sans esprit. Le dessin propose de redéfinir l'espace, d'apporter des couleurs chaudes et de la fantaisie. Ça vous va? Très bien. Je pense que ça va être très bien. Très bien. Bien, on va commencer par deux choses. La première, c'est moi qui vais commencer par tailler le camélia de façon à dégager un peu de place. Ensuite, scier les branches mortes dans l'altéa, reprendre le lierre sur le mur et que je descende la hauteur du laurier qui est juste derrière et qui donne encore plus cette impression d'ombre. Pendant ce temps-là, vous allez commencer à travailler le sol, faire sauter cette bordure et puis redessiner une nouvelle bordure qui passera devant l'altéa pour aller jusque vers cette construction en pierre, mais au milieu seulement. Ok. Stéphane taille le lierre à la cisaille au plus près du mur, puis grimpe sur celui-ci pour abattre un peu le laurier palme qui projette une ombre épaisse. Eric s'est saisi d'une masse pour déstabiliser les bordures de béton avant de les faire disparaître. Puis, il commence à ameublir le sol. C'est quasiment de la terre battue. De son côté, Stéphane supprime les basses branches du camélia pour dégager son tronc. Puis, scie les bois morts de l'altéa. À l'eau pure, Frédéric lave l'écorce du camélia
il sera plus élégant et surtout beaucoup plus clair. La terre ici dure qu'il faut la travailler à la pioche, puis elle est enrichie avec du fertilisant aussitôt incorporé à l'aide d'un croc. Les premières fosses sont creusées. Le grand Nandina domestica peut prendre place. Il sera habillé l'ombre, il est suivi d'une série de plantes, toutes aussi adaptées à cette situation. Hop là, voilà. C'est pas facile de planter dans les endroits très ombragés comme ça. Et naturellement, dans ces endroits-là, on a envie d'avoir des plantes qui soient lumineuses. Ce qui est intéressant, c'est que le Nandina, comme celui-là, domestica, avec un feuillage jaune, et puis celui-là, qui est un arbre au faisan, un Lecesteria, ce peu de photosynthèse qui est révélé par cette couleur pâle, un peu jaune, ça montre aussi que si on le mettait au plein soleil, il serait brûlé tout de suite. Par ailleurs, à l'ombre, il y a peu de fleurs. Cependant, celui-là, l'arbre au faisan, est en fleurs, et celui-là, le Mahonia, sauf caresse, qui commence à fleurir, va faire des petites grappes de fleurs jaunes quasiment pendant tout l'hiver. Ça va être beaucoup plus gai. Voici un Pittosporum tenuifolium panaché, puis un Pittosporum nain et un Fatsia au feuillage luisant. Plus loin, plus à la lumière, deux hydrangeas aux tiges noires et aux fleurs très blanches sauront tirer leur épingle du jeu au-dessus de quelques plants d'hélébore d'Orient. Des cannes de bambou peintes en blanc sont percées selon des mesures rigoureuses. Des tiges de fer à béton sont ancrées solidement dans le sol, les cannes verticales sont enfilées dessus, les horizontales sont vissées avant qu'une boîte en bois, peinte en rouge, ne vienne y prendre place. Tout aussi rouge que les deux pots qui sont percés au fond sur le côté pour accueillir les billes d'argile et le substrat adapté. Hop là. Voilà. Toc. Oh là, faut que j'en mette encore un peu de terre de bruyère. Alors, vois-tu, je crois que tu voulais un érable. Un érable du Japon. Oui, Stéphane, je voulais un érable. Voilà, alors j'ai trouvé celui-là qui s'appelle Shango Kaku. Ils ont tous des noms impossibles, c'est pas possible. Moi, j'ai pas de référent avec ça. C'est pas, je parle pas japonais, c'est pas du latin, enfin bref. En attendant celui-là, ce qui est intéressant, c'est quand le feuillage débourre, il est très frais comme ça, et puis il devient un peu vert, vert dense. Et là, tout d'un coup, tu vois comme le feuillage est en train de devenir plus en plus clair. C'est joli, hein, feuillage d'automne, qui va se marginer de rose et de pourpre. Et puis le feuillage va tomber. Sauf que pendant l'hiver, tu vas avoir ce joli bois comme ça, qui est un peu rose. Et juste une chose, faut pas arroser ces choses-là. D'accord. Tu les arroses un peu l'été, vraiment, si c'est sec, 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 sec. D'accord. Tu mets jamais d'engrais. D'accord. Sans quoi ils vont se développer et faire des choses qui sont fragiles et qui seront vulnérables aux premiers champignons qui passent. Et puis tu te retrouves avec des branches comme ça qui meurent. Et ça devient assez vilain parce que il est obligé de refaire des branches et il a un port un peu moins naturel après. D'accord, donc peu d'entretien, ça me va. Bah j'imagine. Dans le deuxième pot, toujours dans de la terre de bruyère, un pierris au feuillage panaché est planté. L'érable passe derrière la structure, ainsi cadré, il est mieux mis en valeur. Un paillis de coques de noix de coco est étalé au pied de toutes les plantes. Quelques lanternes blanches, avec des bougies rouges, complètent le décor. C'est fini! Trois bougies. Super. Et nous y voilà. Alors, est-ce que ça a un peu changé? Ah bah tout à fait. Ah bah, ça plus rien à voir, on va dire. On retrouve de la couleur avec le rouge, le blanc, très lumineux, avec quelques touches de blanc également sur les plantes. Les bougies également aussi, qui sont superbes. On voit bien le tronc du camélia, c'est magnifique aussi. Qui est beaucoup plus intéressant qu'au départ. Voilà, hein, c'est ça. Parfois, ça il suffit de peu. Ouais. Là, maintenant, il est mis en valeur. C'est vraiment une plante un peu sculpturale qui est très intéressante. Et puis, là, les plantes qu'on a mises, quand même, apportent des choses. Hein. Ouais, oui, tout à fait. C'est avec le panaché là, de la plante qui est complètement à gauche. Osmanthus. Osmanthus. Amène beaucoup de lumière et je trouve que c'est assez intéressant, cet équilibre des couleurs et des masses. Et puis, ça va pousser, hein. C'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de lumière là-dedans. D'accord. C'est ça qui est bien. Et on voit un peu moins le monument. Tout à fait. La fameuse pierre tombale. Non. Étrange. Étrange. C'est vrai qu'avec les deux pots rouges et puis la composition un peu à la Mondrian, et puis l'érable du Japon en même temps. Parce que c'est vrai que c'est à la Mondrian, mais c'est aussi un esprit un peu japonisant. Donc c'est assez intéressant. On retrouve un peu les deux aspects.
Ça vous plaît alors? Ouais, oui, super. Beaucoup. Bon, bah, je suis content. Merci. On ne reconnaît pas du tout le jardin. Merci beaucoup Stéphane, merci. Merci Eric. Merci Stéphane. Merci Frédéric. Profitez-en bien. Merci. On va tâcher, il n'y a pas de souci. En quelques heures, la vue sur le jardin depuis les baies de la maison a complètement changé. La structure blanche et rouge s'inscrit comme un repère fort autour duquel le jardin se déroule. Dans le coin le plus sombre, le camélia toiletté a retrouvé du panache et l'accompagné de feuillages lumineux. Dans l'endroit le plus clair, les hydrangeas resplendissent. Le jardin est méconnaissable. La famille va s'y sentir bien. Si vous avez envie d'un petit Mondrian végétalisé, il faut appeler Stéphane, ou plutôt t'écrire. Non, vous inscrivez-vous en allant sur le site, demandez la fiche des pas de panique, Pianoté France TV. Et oui, il faut remplir son dossier. Et pour revoir l'émission? C'est tout pareil, Pianoté France TV. On passe au livre, tu nous vends du rêve aujourd'hui. Oh oui, du rêve, Jardin de rêve, un livre de Claire Tabac. C'est aux éditions de Lachaud et Niesley. C'est un tour du monde des plus beaux jardins, des jardins choisis pour leur aspect naturaliste, choisis pour la manière dont ils s'intègrent dans la nature. En France, les deux jardins sélectionnés, ou parmi les deux, et le choix est excellent, c'est le Jardin Plume et le Jardin de Bercy-Grange. Pour la France, mais vraiment un tour du monde alors, avec, en feuilletant. Tous les continents. Quelques pages. Ah, tous génial. Les continents. Bon. Et pour ma part, je t'ai choisi un livre Stéphane en rapport avec le reportage anti-gaspi que l'on a pu voir tout à l'heure. Et oui, nous aussi, on va faire des efforts. Regardez, ça s'appelle « Zéro déchet dans ma cuisine ». C'est de Géraldine Olivo et Delphine Passelin et c'est aux éditions alternatives. À l'intérieur, tu as des pas à pas pour justement utiliser tout ce que tu n'utilises plus comme les déchets culinaires. Et pourtant, c'est tellement important de garder les épluchures, on peut faire tellement de choses. Tu as à l'intérieur les chips aux pelures de courge et épices. Tu as un smoothie de betterave. Tu as également le vin aux noyaux d'abricot. Et après, tu as aussi une partie cosmétique. Et Stéphane, j'ai très envie que tu tentes le petit masque aux pelures de carottes. Je fais ça tous les matins. Ça doit te donner bonne mine. Ben regarde, c'est magnifique. Non, c'est hyper bien. Et c'est vrai qu'avec 10 millions de tonnes de déchets, ce n'est plus possible. Nous allons pouvoir recycler et aider notre planète avec ces petits pas à pas. Très bon livre. On passe à l'agenda. S'il te plaît, oui. Oh, ça serait bien l'agenda. Alors, les 2 et 3 mars, nous allons dans les Pyrénées-Orientales à Lille-sur-Tête. C'est l'art des jardins. C'est une fête des plantes dont le thème cette année, c'est le jardin de demain. Quels seront nos jardins dans 10 ans, dans 100 ans? Seront-ils plus vertueux? Seront-ils plus connectés? Oui, ouais. Absolument. Il y aura là des ateliers, des conférences, des designers, des horticulteurs, des pépiniéristes. La fête, c'est la fête. La fête toujours, et je crois que cette exposition te plaît beaucoup, tu l'as visitée. Vous avez jusqu'au 2 juin pour aller dans la Manche, cette fois-ci c'est à Aumonville-la-Rogue. Oui, absolument, au manoir du Tour. C'est une exposition dont le titre est « Fabuleux outils de jardin » qui met en scène une partie de la collection Pèlerin. Ces outils que nous vous avons présentés l'an passé pour vous expliquer leur histoire. Eh bien, c'est toute l'intelligence des jardiniers qui se met là en avant, cette inventivité, et s'est présentée d'une manière absolument ravissante, champêtre, plaisante. J'ai adoré. Très bien, la semaine prochaine, nous vous donnons rendez-vous dans le même jardin avec le même Stéphane et normalement la même Carole. Mais oui, bien sûr. Elle est l'adresse. Alors, nous vous donnons rendez-vous avec des nouvelles personnes et des nouvelles découvertes. Et nous allons partir près de Pau, découvrir le village de la communauté Emmaüs. Vous savez qu'il y a des personnes en difficulté. Et là, on va parler du bien manger. Parce que c'est bien d'avoir un repas, mais c'est bien aussi d'apprendre à cultiver ses légumes et à les déguster et avoir de bons produits. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Je suis bien d'accord. Et toi, Stéphane, tu nous emmènes où? À Rambouillet, dans le parc du château de Rambouillet, où nous découvrirons des fabriques magnifiques. La laiterie, un rêve. La maison de coquillages, sublime. Et puis, nous verrons aussi comment le parc est géré de manière naturelle. Et pour le pas de panique? Pas de panique chez Romuald et Florence. Petit jardin triangulaire, un peu en pente, comme ça, qui rêverait de devenir une sorte de micro-paysage à goûter depuis la terrasse ou depuis le salon. Alors, alors, à la semaine prochaine. Salut !